les amis. Bon, bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo bleu. Mais il y en a qui aiment bien le blabla, hein, Jaco. J'ai eu des petits messages qui disent à nous le blabla, on aime bien. Oui, voilà, des bons blabla, des bons blabla qui vont pas plaire à certains. Ouais. Bon, je voulais vous parler, c'est surtout sur les questions que j'ai eues. J'ai eu beaucoup de questions sur la taille de mes petites tomates. Certains ouais. Sont étonnés qu'eux n'ont pas les mêmes. Alors qu'ils ont planté en même temps que moi, ou semé en même temps. Ben, ça veut dire qu'il y a plusieurs éléments qui vont jouer. Il y a les températures. Il y a le substrat. Hein. On n'a peut-être pas le même substrat. Et puis, on n'a pas les mêmes protections. Voilà. Donc, souvent, je vais vous montrer un truc. Les premiers, j'ai rempoté. Alors, le premier rempotage. Quand on a fait ça, tout de suite après, il a fait très beau. On est monté à 30 degrés dans la Seine, à 10-12 degrés la nuit, on était nickel. Nickel. Par contre, quand j'ai fait le deuxième, c'est-à-dire une semaine après, là, on est tombé dans des températures plus basses. Donc, ça donne ça. Voilà. Donc, beaucoup plus, moins grande. C'est normal. Bah oui, forcément. Voilà. Toutes petites. Elles sont parties moins vite. Mm-hmm. Mais ils vont rattraper les autres. Ah oui, c'est sûr. Donc, aucun souci à se faire. Ils vont pousser plus lentement, mais ils vont rattraper les autres. Les autres, ils vont arriver au moment, ils auront faim dans le pot. Donc, ou il sera le temps de les planter dehors. Et s'il n'est pas temps de les planter dehors, mais je vais vous donner une astuce. Attends, je vais montrer un troisième rempotage. En même temps. Vas-y. Troisième rempotage. Ici. Il a été semé plus tard. Il a été semé beaucoup plus tard. Voilà, troisième rempotage. 10-15. Voilà. 10-15 mars. Mm-hmm. J'ai mis 10-15 mars. Oui, oui, oui. Voilà. Alors donc, si vos plants sont assez grands, puis il n'est pas encore temps d'aller les mettre dehors parce que vous avez semé trop tôt. Et puis vous avez mis sur les bâches, comme j'ai fait pour regarder de la chaleur. Ben maintenant, ce que vous allez faire, c'est enlever la bâche. Allez, on retire la bâche. Là, c'est les variétés là, au moins ils sont plantés. Ça sera pour les amis, les copains et tout ce qui s'en suit. Donc, pour pas qu'ils meurent de faim dans le pot, on les pose sur le sol. Comme ça, ils auraient cherché la nourriture à la terre. Par contre, quand vous allez les bouger, il sera temps d'aller les planter. Tout de suite. En fait, quand vous les bougez, c'est pour les planter. Il ne faut pas les bouger entre deux. C'est voilà, ça, Jaco. Vous allez arracher les racines qui sont parties dans le sol. Mm-hmm. Là, les pieds vont. Ils vont dire oh là. Et oui, c'est quoi ce bordel. On fait quoi là. Donc voilà. Donc si vos pieds de tomates sont comme ça, après les avoir fait en même temps que moi, c'est normal. Voilà. C'est pas grave. C'est pas grave, ça va rattraper. Voilà. Jaco, ici. Oui. S'il te plaît. J'ai quoi? Eu pas mal de questions. Ici, regarde. Là, il y a des petites gouttelettes au bout des feuilles de tomates et on nous a demandé qu'est-ce que c'est que ça. On appelle ça un sub-goutte, c'est-à-dire que la plante transpire. Vous l'avez arrosé la veille abondamment, ils ont passé la nuit, ils ont eu bien chaud tout, et bien elle transpire. Donc c'est un phénomène tout à fait normal. Surtout en printemps comme ça, on les voit souvent, on a laissé, ça suit les gouttes. Les gens ils paniquent parce qu'ils disent. Et aussi l'arrosage, en parlant de gouttes. À l'arrosage, on me demande comment je fais pour arroser tout ça. À l'arrosoir. Direct. La rampe. La rampe, hein, bien sûr. Hein, oui, arrosage doux. C'est moins brutal. Mm-hmm. Et je passe dessus sans trop insister pour ne pas coucher. Voilà. Et quand vous arrosez, n'attendez pas que la plante se couche. Vous passez dessus, vous ramenez plusieurs fois s'il faut. Comme ça, déjà, ça rentre mieux. L'eau va bien pénétrer le terreau. Comme ça, en passant plusieurs fois, plutôt que de faire ça d'un coup. Tout trempé, tout plaqué, c'est pas bon ça. Donc voilà, donc j'arrose directement. Le matin, on a 4-5 degrés, l'après-midi, 12, 13, 14 selon le temps, peut-être des fois 30. Donc les conditions sont pas rassemblées pendant le midi. Non. Donc voilà, donc pour l'instant. Par contre, quand ils sont plantés, après, j'arrose plus dessus. Non, là, on arrose au pied. Hein, à côté, maintenant, c'est goutte à goutte. Voilà. Donc aussi, pour faire les fins. Beaucoup de monde croit que les fins c'est chimique. Donc je vais vous expliquer quelque chose. Donc le F1, beaucoup de monde croit que c'est chimique. Alors que non, c'est pas du tout chimique le F1. C'est pas un OGM non plus. Parce que là, mes tomates c'est de l'OGM. Ouais. Et surtout issus d'hybridation. Parce qu'à la base, il n'y en avait qu'une de variété. Hein, c'était une tomate cerise. L'antiquité. Une tomate cerise, après on a sélectionné les plus grosses, on a croisé des petites, après on a fait plein de.
plein de dérives et oui, puis là, on va sur tout ça. On va pas rentrer dans ce détail-là, ça va être... Sinon, on va passer la gorge. Oui. Donc, mais pour faire une F1, par contre, bon, bien, il y a la graine A, il y a la plante A, la plante B. C'est-à-dire que c'est déjà la plante A, il y a plusieurs variétés qui ont été hybridées pour faire la A. Pareil pour la B. Plusieurs variétés pour faire la B. Et les deux, je vais prendre un exemple de la Pyros, une F1 assez connue. On prend la A qui a beaucoup de variétés dedans, la B qui a aussi beaucoup de variétés, qui vont être croisées pour faire la Pyros. Par contre, si vous prenez les graines de la Pyros, là vous allez tomber sur n'importe quoi. Parce que il y a des dizaines de variétés dans la génétique de la tomate. La génétique, oui. Donc c'est pour ça. Mais il n'y a rien de chimique là-dedans. Rien de chimique là-dedans. C'est chimique si vous y mettez de l'engrais chimique. Voilà, c'est vous qui allez faire la chimie dans votre potager. Voilà. C'est vous qui allez rendre votre potager chimique ou bio ou naturel, selon voilà. Comment vous voulez l'appeler. Que maintenant, on ne peut plus rien dire. Oui, là, faut. Oui. Bah, attention à ce qu'on dit. Faut faire très attention. Oui, oui. Faire appeler. Faut pas jouer avec les mots. Là. Non. Là. Donc voilà. Oui, ça m'agace aussi. Oui, ça m'agace. On est bon pour le F1, Jacob ? On est bon pour le F1. Maintenant, je vais vous parler de la graine bio. Alors, la différence entre une graine bio et une graine normale. Bon, disons que la graine bio a été cultivée en bio, normalement. Normalement. Et la graine normale a été cultivée normalement, on ne sait pas. On ne sait pas. Voilà, c'est selon les producteurs. Donc, est-ce qu'en prenant du bio, on aura du meilleur qu'en prenant des graines normales? Je ne pense pas. C'est-à-dire que la partie de chimie dans une graine, c'est une goutte d'eau. Une goutte d'eau douce dans l'océan. Quand vous allez faire pousser, ben disons que vous aurez un océan, votre façon de faire. Si vous mettez des produits chimiques, vous aurez des légumes chimiques. Voilà. Si vous mettez des produits naturels, vous aurez des légumes naturels, même en partant d'une graine normale. Parce que c'est vraiment, hein, c'est infime. Je dirais, l'exemple est bon, la goutte d'eau dans l'océan. Voilà. Donc, si ça vous plaît d'acheter des graines trois fois plus chères, bon, chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut, hein, tout ouais. À fait. C'est une question, après, c'est une question de conscience. Ouais. J'ai des graines là, c'est des graines de mes tomates, je dirais que c'est du bio, parce que je ne mets pas de produits chimiques. Bah oui. Voilà. Donc mes tomates seront bio ou pas, on ne sait pas. Peut-être qu'un jour, il y a un nuage de saloperie qui passera, il pleuvra, et je ne saurai pas, mais je mangerai de la merde. Et oui, et ça, malheureusement, on ne peut pas le savoir. On est à l'abri de rien. En serre, on est à l'abri de ça. Mais en extérieur, bon, on, sait pas. Voilà. On est plus à l'abri en serre, on va dire. Plus à l'abri que. Je pense pas qu'il y ait un nuage chimique qui s'arrête aux frontières. Non, je pense pas non plus. Il n'y a pas de panneau là-haut marqué interdit au nuage chimique. Non. Donc voilà. Donc après, voilà, c'est une question de conscience. Voilà. Maintenant, je vais revenir sur l'antimasse. Alors là, ça va être la bagarre. Aïe, l'antimasse. Mon Dieu. Les grands discours du moment. On en voit de partout. À ce moment, ça me fait rigoler. Je vois des trucs. Et oui, Jaco. Là, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Quoi. Ouais. Bon, il y a des trucs qui marchent. Mais dans quelles conditions? Il faut avoir des conditions adaptées. Voilà. Tout le monde ne peut pas faire pareil. Non. Adapter votre façon de jardiner à votre jardin. À votre jardin. Et au jardinier. Au jardinier, où vous habitez, la surface que vous avez. Voilà, tout ça, ça voilà. Prend en compte. Je vous dis pas qu'il faut passer avec un chalumeau et puis cramer. Un petit peu de granulé autour de vos salades, ça fera de mal à personne. Déjà, il faut arrêter de dire que ça tue les hérissons, c'est faux. Avant, oui, avec les anciens produits, ça tue les hérissons. Mais maintenant, c'est plus la même chose. C'est terminé. Maintenant, la limace, elle bouffe le granulé de fer à molle, elle s'enfonce dans le sol, elle meurt. Et ça l'empêche de manger. Alors qu'avant, ça les faisait baver. Voilà. Et là, les hérissons, ils passaient, ils bouffaient. Ils bouffaient le poison avec. Maintenant, c'est terminé. Oh, dès qu'elle a bouffé ça, hop, elle ne peut plus manger, elle s'enfonce. Et c'est terminé. Et c'est pas nous. C'est pas nocif pour ni les chiens, ni les chevaux, ni les hérissons. Ou les oiseaux. C'est terminé, ça. Donc, il faut vivre avec son temps. Le temps des Cro-Magnons, c'est terminé. Hein, on ne met plus de produits méchants dans les jardins parce que déjà,
ça n'existe plus. Vous n'en trouverez plus nulle part. Non, on n'en trouve pas de toute façon. C'est interdit depuis quelques années. Tous les produits maintenant sont adaptés pour que ça soit voilà. Bio. Ou utilisable en agriculture bio. Voilà, je sais bien, quand on dit bio, c'est magique. Mais c'est comme ça. Il faut vivre avec son temps. Après, si vous, vous voulez faire un jardin puis tout vous faire bouffer, libre à vous. Hein. Bon, oui. Je ne vais pas vous mettre. Nous, quand on plante 10 salades, il faut mettre de l'ortie mince. Ouais, voilà. Ou alors, c'est un scandin, il faut pas en mettre, il faut laisser bouffer. Il faut arrêter les conneries. Hein. Mais nous, si on met 10 salades, on veut manger les 10 salades, hein, Jaco ? Même 8. Oui. Au moins 8. Mmh. Oui. Voilà. C'est ce que je voulais dire. C'est un petit coup de ras-le-bol, ça, les ortie mince aussi. Ouais. Par contre, Jaco, tiens, j'ai une petite question. Parce que j'ai pas mal de personnes qui me disent un petit peu tout et n'importe quoi. Est-ce que tu peux redire où pondent les limaces, les escargots et tout ça? Où trouve-t-on? Dans le sol. Dans le sol. Donc on est bien d'accord. Dans le sol. Donc vous allez mettre une barrière, hein, sur un carré comme ça, avec ce que vous voyez autour. Voilà. Si ça a été pondu dedans, vous avez les limaces dedans. Et donc quand ça va naître, eh bien ça va sortir du sol et ça va vous bouffer tout ce que vous avez. Voilà. Sous votre petit voile ou autre. Des œufs, des grappes d'œufs blancs. Voilà. Ça, c'est les gastéropodes. Donc, c'est dans le sol. Voilà. On est bon pour les limaces, Jaco ? On est bon pour les limaces. Donc là, attention, parce que cette semaine, il y a encore du froid qui arrive. C'est moins important que ce qu'on vient de passer, mais ça arrive encore. Donc, on s'est dit, ça y est, c'est le printemps. Un seul. On a mis un seul voile, mais on va remettre un deuxième. Voilà, on va remettre un deuxième, parce que ça en est du moins un, mais on ne sait pas où ça va passer. On ne sait pas. Du coup, si on voit peut-être y avoir le rond. Donc, on ne va pas prendre de risque. Hein. Pas de risque. Bon, tout ce qui est ça là, tout ça, c'est un crapaud. Hein. Des pots, ça ne gèle pas, tout ça, c'est tranquille. Tout ça, il n'y a pas de problème. Hein. Tout ce qui est cucurbitacé. Ah, tiens, mais vous pouvez les semer aussi. J'ai semé hier mes courgettes. Courgettes et courges, je crois. Courgettes et courges. Oui. Ils ont deux. Hein. Là, donc, courgettes, courges, concombres, pastèques, melons. Tous les cucurbitacées, vous pouvez les semer maintenant pour les mettre dehors. Voilà. Pour les mettre dehors en mai. Donc là, on pour a ceux fait. Qui n'ont pas de couche pour les mettre dessous. C'est ce que j'allais. Ouais. Voilà. Un semis en pleine terre fin avril. Petite bouteille dessus. Une bouteille en deux, mettez dessus, vous décaissez un peu de terre. La terre, vous décaissez, vous mélangez avec un peu de terreau, un peu de fumier, vous remettez dans le trou, c'est con, c'est un trou de la bouchée. Vous mettez deux graines, vous arrosez bien, bien sûr, bien mouillé pour le départ, vous mettez votre bouteille coupée en deux dessus, hop, puis vous laissez comme ça. Et ça, fin avril, hein. Fin avril. Comme ça, ben, ça va pousser dedans, puis quand ça sera levé, vous laissez plus beau. L'enlever de tout moche. Voilà pour les cucurbitacées. Et on vous rappelle que là, tout ce qui est semé, nous, tout reste en serre froide. En serre froide. Tout le temps. Ça, c'est pas couvert. Tout ça, là, la nuit, c'est plus couvert. Hein, peut-être bon. Les concombres, si on peut-être commence à les concombres, si vraiment on voit que ça descend trop bas, on couvrira. Mais le reste, non. Les poireaux, là. Ah, attends, chacun. Commence à être très beau. Hein, ils sont pas mal. Hein. Ouais, ils commencent à être beaux. Pas mal. Donc, ça sera dans 3 semaines. 3 semaines, un mois, je commence à les planter. En pleine terre, dehors. D'accord. Ben, nous, ici, serons en serre. Oui. Parce que dehors, il n'y a plus de place. Là, oui, on va... Voilà. Donc, attention, parce que là, les froids, ils veulent encore arriver. Et si vous avez déjà planté dehors, vous mettez un voile. Surtout, oui. Planter et semer. Les salades, par précaution, vous pouvez mettre un voile, mais c'est assez résistant. Parce que quand les salades que vous avez mises, c'est les salades de printemps. Donc, ils ont déjà poussé avec des températures assez basses. Ils sont résistantes. Donc voilà. Une petite vidéo pour remettre les choses en place. Éclairer un peu de lumière. Prendre un peu de raclée. Bon, c'est pas que j'adore ça, mais on n'y peut rien, la nature est faite comme ça. La nature humaine, je dirais. Voilà. On est bon, d'accord ? On est bon, donc ça sera une vidéo encore cette semaine. Vous aurez 2 vidéos sur vous. Oh, mais il y en a qui vont être contents. Oui. Maintenant, la prochaine, ça sera la semaine prochaine sûrement. Peut-être, hein, la semaine prochaine, je travaille le week-end. Oui. Ah, je service à rosage. Eh ouais. Et ouais, même le week-end, les plantes, ils boivent.
On vous dit à très très bientôt. À bientôt. Bon jardinage à tous. Au revoir.